Ah!
Nous avons dit que nous démarrons cette année terriblement. Beaucoup d'onction, si ces derniers temps, je passe beaucoup de temps à la présence de Dieu. Et il y a toute une organisation qui s'est fait encore plus amplifiée pour combattre l'Église. Mais j'ai une paix terrible, je ne comprends pas. Et quand je vous dis j'ai une paix, toutes les chansons que j'ai chantées par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie, la paix divine est sur tous ceux qui vont à lui, même quand vient quoi, le doute. Et j'ai dit, j'écouterai ce que dit Dieu, pas ce que disent les hommes, ce que les hommes me font voir. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui quoi l'écoute. Et ne fais pas partie de tous ceux qui combattent la famille France pour Christ. Ce dont j'ai rêvé. Je te signale ce dont j'ai rêvé. Je ne vous mens pas. C'est très dangereux, surtout. Tu ne peux pas manger dans une même assiette avec les gens que tu fais une mal. Faites attention, c'est dangereux. Ça, c'est le jeu de la vie que tu fais. Tu joues avec la vie. C'est dangereux. Prie Dieu, tu verras qu'est-ce que Dieu fait. Fais attention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père, je bénis ces petites minutes que nous voulons écouter la parole. Je bénis le travail que tu t'es engagé de faire dans la vie de cette dame et dans la vie de plusieurs parmi nous, surtout de ceux-là qui ont le cœur ouvert. Seigneur, je sais que tu veux faire quelque chose de glorieux. Assiste et parle-nous au travers de ces messages. Amen. Amen. Je devais nous parler sur un sujet, mais là Dieu me parle de parler sur une existence sans vie. Une existence, c'est quoi? Sans vie. Écoutez-moi. Bien-aimé, une existence, mais qui n'a pas de vie. Et quand je vois ces micros, vous savez que ces micros existent. Parce que sinon, je n'allais pas le voir. Ça existe, mais ça n'a pas la vie, ça. Ce n'est pas un être pour avoir la vie. Ça existe, mais ça n'a pas la vie. Cette chaise existe, mais n'a pas quoi? La vie. Exister n'a rien à voir avec vivre. Bien aimé, il n'est pas simplement important d'exister, mais il est préférable aussi de vivre. Je peux exister, mais je ne vis pas. Je vois beaucoup de personnes exister, mais qui ne vivent pas, bien aimé. Je regarde des familles que je vois, bien aimé, dans les pays en guerre. Ces familles, ne vous dérangez pas, papa, pour votre épouse. Ne vous dérangez pas. Soyez avec moi. Je vois des familles exister dans plusieurs pays en guerre. Mais ces familles n'existent, ne vivent pas. Ces familles existent, mais sans vivre. Le pays ne leur permet pas quoi? À vivre. Bien-aimés, je vois des couples se former et exister. On voit une femme avec un homme en train de se promener et de venir ensemble à l'église. Mais ces couples ne vivent pas, mais ils existent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour dans ces couples. Ni la femme, ni l'homme aiment l'un ou l'autre. Ils vivent simplement, ils disent que nous sommes là simplement pour les enfants. C'est un couple qui existe, mais qui ne vit plus. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je vois des familles bien-aimées qui portent le même nom, qui sortent des mêmes pères, d'une même mère, et que cette famille existe, mais sans vivre, parce que c'est une famille bien-aimée, que chacun pour soi, les gens ne s'entendent pas, les gens se font du mal, l'autre critique l'autre, l'autre est jalouse de son frère et sa soeur, et ne veut pas voir l'autre réussir dans la vie. Il y a des choses qui existent, mais sans vivre. Tu ne vis pas. Je vois des gens venir à l'église. Ils existent dans cette église, mais ils ne vivent pas. Je vois des gens ici en Europe, bien-aimés. Je suis en Europe. Oui, j'existe. J'habite Paris. Oui, j'habite Melun. J'habite Orléans. J'habite Montargis. J'habite peut-être Boussy ou Consort. Bien-aimés, oui, je sais que tu existes. Mais une seule chose, est-ce que tu vis? Bien-aimés, nous n'avons pas été créés pour subir la vie, mais c'est pour vivre notre vie. Dieu nous a créés pour vivre, pour jouir de la vie qu'il nous a donnée. Mais si, bien-aimé, on n'arrive pas à jouir de la vie,
ça sert à quoi d'exister? Je vis des personnes coupées des arbres parce que cet arbre comble la parcelle, mais parce que ça ne donne pas de fruits. Ça existe, mais ça ne vit pas et ça ne donne rien aux gens. Je vois des entreprises bien-aimées qui existent, mais ces entreprises ne vivent plus parce que bientôt elle sera liquidation, bien-aimée. À quoi ça sert d'exister et si on ne vit pas? Est-ce que dans cet auditoire aujourd'hui, nous existons pour vivre ou nous existons pour exister? Je vois des gens témoigner. L'essentiel, je le souffre de vie. Non, bien-aimé, l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, Dieu t'a permis d'exister pour vivre. Il ne t'a pas permis d'exister pour vivre l'essentiel. Parce que aussi longtemps tu vas te lamenter de ta vie, tu vas pleurer, tu vas toujours regretter. Bien-aimé, tu vis pour ne pas exister. Tu existes pour ne pas vivre. Il y a des personnes qui marchent, bien-aimé, mais si tu rentres dans sa tête, la personne marche à la rue, mais elle ne voit rien tout autour, parce que ses idées toujours en train de se lamenter. Beaucoup de soucis et beaucoup de choses. J'ai vu les gens chercher la richesse. Ils ont eu la richesse, bien-aimés, c'est pour sacrifier leurs filles, leurs enfants, les tuer. À quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent? Et si tu ne vis pas avec cet argent, avec ta famille, à quoi ça sert? Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que nous tous qui sommes venus sur la terre, nous vivons ou nous existons? Simplement. Dieu façonne l'homme. L'homme a existé, mais Dieu a compris qu'il doit vivre aussi. Lisez-moi Genèse chapitre 2, le verset 7. Bien-aimé, je ne veux pas que l'église France pour Christ existe simplement. Je veux qu'elle vive et qu'elle arrive à vivre cette église. Je ne veux pas que tu sois un chrétien qui existe. Vas-y, fils. Élions au nom de Jésus-Christ. Amen. L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie. Il insuffla un souffle quoi? De vie. Dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être qui? Vivant. Écoutez, il était déjà homme, mais il n'était pas un être qui? Vivant. Il existait tant qu'homme, mais il n'était pas l'homme qui vivait. Reste assis, mon fils. Peux acclamer la parole de Dieu. C'est ainsi dans le Saint-Évangile, bien-aimé. Le message que Dieu nous a donné, quand on prêche, on doit prêcher les choses. On doit essayer de comprendre. Oui, j'ai monté une église, ça existe. Est-ce que cette église vit? Oui, il y a du monde dans mon église. Est-ce qu'elle vit aussi, cette église? Il y a des hommes dans cette église. Est-ce que l'église vit? Tu vas dans cette église, il y a des possédés, il y a des malades, il y a des sorciers, il y a des gens malheureux, il y a des jaloux, il y a des gens qui ne se parlent pas entre eux. Il y a des gens qui viennent du matin au soir en train de critiquer les autres. Bien aimé, est-ce que l'église la vit ou elle existe simplement? Des concurrences, bien aimé, des jalousies, l'impudicité, l'adultère, bien aimé. L'autre sort avec la femme, depuis l'autre sort avec la femme, bien aimé. Des grossesses, bien aimé, gratuites, bien aimé, sans même quelque chose. Alors pose-moi la question, vous existez ou vous vivez? Il façonna l'homme. Il devient déjà l'homme qui existe. Mais la seule chose, il avait fallu qu'il lui donne aussi quoi? La facilité de vivre. Sinon l'homme n'allait pas vivre. Allait exister sans vivre. Est-ce que Dieu t'a mis ici simplement pour exister ou Dieu t'a mis pour vivre? Est-ce que tu viens dans une église simplement pour exister ou pour vivre? Tout ce qui vit donne aussi la vie. Et ce qui ne vit pas ne peut pas donner la vie. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. L'important ce n'est pas d'exister, mais l'important c'est de vivre. Retiens cette parole que je vais répéter ça tout le temps pour que ça reste dans ta tête. D'exister, mais l'important c'est de vivre. Il y a des gens qui regrettent le pourquoi ils sont venus sur la terre, parce qu'ils ne vivent pas. Elles ne vivent pas ces gens. Ils disent non, d'autres cherchent même la mort, d'autres réclament la mort.
D'autres disent, ah, même que la mort me prenne. D'autres ont la pensée de prendre même des médicaments pour faire l'overdose afin de mourir, bien-aimé. L'important, ce n'était pas pour eux d'exister parce qu'ils n'ont pas vécu. Ces gens ne trouvent quel intérêt d'être ici. Et si je ne vis pas? Je pensais que le jour que je me marierai, je vivrai. J'arrive au mariage, je vois quel calvaire. Je me dis non, si c'était comme ça le mariage, il ne fallait pas que j'existe. Ça sert à quoi de haïr les autres? Ça sert à quoi de tuer les autres? Ça sert à quoi, bien-aimé, de vouloir le malheur des autres? Si tu restais tout seul, quelle est l'importance d'exister et si tu ne vis pas? Même Dieu regarde Adam. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a compris que non, tu ne peux pas vivre en soyant seul. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu jalouses tout le monde, tu ne veux pas le bonheur de tout le monde. Mais tu veux vivre comment? À quoi ça servirait d'avoir toutes choses et si ton âme s'est perdue? J'ai eu à faire des délivrances de beaucoup de monde. Des gens qui sont partis chercher la magie, bien-aimée, pour s'enrichir. Et l'autre me dira, pasteur, j'ai vendu mon dos. Moi, j'ai dit, et cet argent, c'est pourquoi? Il y a du bonheur d'avoir l'argent et vivre avec ta famille, tes enfants. Et toi, tu vends tous les enfants. Et maintenant, tu as l'argent. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, c'était la condition qu'on m'avait donnée. Et tu as accepté. Oh oui, j'avais accepté parce que j'avais besoin d'argent. Pour faire quoi? Parce que pour sortir de la crise. Bien-aimé, je lui ai dit, tu as remarqué, aujourd'hui tu cherches la délivrance. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu existais sans vivre avec cet argent. Tu existais avec l'argent. J'ai vu d'autres me dire, pasteur, tu vois, j'ai l'argent, mais cet argent, je ne dois pas dépasser une semaine avec cette somme d'argent. La personne reçoit une diplomate d'argent, mais elle doit faire tout finir ça une semaine avant que la semaine finisse, si même un billet reste. C'est dangereux pour la personne. À quoi ça sert d'avoir tout cet argent? Si tu ne vis pas, tu es mal à l'aise, bien aimé. Nous envions certaines personnes, pourtant ces gens n'existent pas. Quelqu'un qui a l'argent mais qui ne doit pas dormir dans son lit. Et si vous comprenez cela, quelqu'un qui a l'argent, qui a construit une maison mais qui va dormir dans une petite maison en annexe. On a vu ça, Kishas, on est parti prier pour une famille. Le monsieur, une grande villa qu'on est rentré, il y a l'annexe à côté, mais lui, il dort dans l'annexe, la maison construite, ça reste comme ça. Ça sert à quoi? Tu as eu tout cet argent, construit une belle maison, mais tu ne dois pas dormir à l'intérieur de la maison, tu dois te faire une petite annexe, mais c'est là où tu vas dormir. Vous comprenez, ça sert à quoi d'exister avec tout cet homme d'argent, mais si tu ne vis pas? Il y a des pasteurs, bien-aimés, heureux d'avoir des foules, de prêcher, bien-aimés, ce qu'on appelle des méga-churches. Mais qui, la nuit, ces gens doivent chercher à boire du sang? À quoi ça sert d'avoir tous ces gens pendant que tu ne vis pas? Le malheur pour toi, il faut boire du sang. D'autres mangent des caca pour avoir de l'argent. Vous voyez ça pour s'enrichir, pour avoir d'onction. Je connais d'autres pasteurs, bien-aimés, qui doivent chercher toujours, au moins dans 2 jours, il faut qu'elles couchent avec 3 filles vierges, bien-aimés. Et ça sert à quoi? Mais quand vous voyez, je ne peux pas citer même le nom de ce pasteur que je parle parce qu'il est connu. Il a tellement du monde. Et les gens, quand on voit, les gens disent c'est l'onction. Parce qu'il veut avoir la gloire. Mais tu as la gloire sans vivre. Mais ça sert à quoi? Et il est mal à l'aise lorsque les 2 jours arrivent, lorsqu'il ne couche pas avec 3 filles vierges. Il a monté tout un groupe de gens qui ne sont que des païens qui ne peuvent plus changer dans leur vie parce que les pasteurs les payent pour les chercher les filles. Et qui sont à l'église, on les voit les collaborateurs du pasteur, mais oh, ils sont là simplement pour manager des filles, pour donner au pasteur. Sinon l'église va tomber. L'église existe mais sans vivre. Alléluia. Ça sert à quoi? Et quelqu'un me dira, bien-aimé, mais c'est impossible, pasteur. Comment exister sans vivre? Si j'existe, je vis. Mais non. J'ai commencé par Genèse pour vous faire déjà comprendre quelque chose. Mais si je vous dis de prendre Jean chapitre 14, verset 6, ouvrez-moi ça.
L'important, ce n'est pas d'exister, bien-aimé. Vous qui me suivez même par ce live là. L'important, ce n'est pas d'exister. L'important, ce n'est pas d'exister dans cette position que tu as aujourd'hui. Mais l'important, c'est de vivre. La vie s'accompagne de la jouissance, du bonheur. Et c'est ça le goût de la vie. Jean 14, 6. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus lui dit, moi je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin. Il dit à une personne. La vérité. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père par moi. Ce qu'il voulait dire à cette personne, tu vois, tu existes, mais la vie pour avoir, c'est moi. Et si tu veux voir le Père, il faut passer par moi. Moi là, c'est la vie. Il explique alors. Mais oh, bien aimé, toute personne qui marche dans les péchés, toute personne qui ne craint pas Dieu, toute personne qui cherche à détruire son prochain, toute personne mauvaise, cette personne n'a pas la vie. Là où il y a la vie, il y a l'absence de la mort. Vous au faux. J'ai expliqué à mes enfants la nuit, après la prêche de mes fils, parce que tous les samedis, mes fils prêchent terriblement à la maison. Je commence à voir des grands prédicateurs à la maison, c'est terriblement. Je vous dis. Prenons comme l'enseignement que tu avais donné la dernière fois, et même l'autre de Christ. C'est un enseignement très formidable. Je vous ai dit, développez cet enseignement. C'est très, très formidable. Je les ai dit une chose, je lui ai dit, écoutez. Je lui ai posé la question, c'est quoi les péchés? Chacun m'a donné sa définition. C'est transgresser la loi, papa. Les péchés, c'est faire le mal, tout ça. J'ai dit, en grosso modo, le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort, en grosso modo. Parce que quand l'homme pêche, l'homme n'a plus la vie. C'est que le péché, c'est, en grosso modo, c'est la mort. Et c'est ce qui est bien aimé. Aussi longtemps nous marchons dans les péchés, c'est que nous ne vivons plus. C'est que nous sommes déjà quoi? Morts. Aussi longtemps tu es sorcier, bien aimé, tu n'as jamais vécu. Aussi longtemps tu es jaloux de ton frère, de ta soeur, aussi longtemps tu critiques les gens derrière leur dos, tu n'as jamais vécu pour Dieu. En lisant ma Bible, je vis que même le Seigneur fera comprendre les autres que vous n'avez jamais vécu. Des livres de Matthieu chapitre 7, verset combien? À partir du verset 22, vous descendez, si vous voulez, vous commencez à 21, vous allez jusqu'à 23. Il dit, certains diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Comment ne pas connaître pendant que nous savons que Dieu connaît tout être vivant qui est sur la terre? Et comment ne pas connaître ces gens? C'est que pour Dieu, ces gens n'ont pas vécu. Ils ont existé sans vivre. Et vous qui me suivez, l'important ce n'est pas d'exister dans ce monde, mais c'est de vivre, avoir Christ en vous. L'important ce n'est pas de connaître tous les versets de la Bible, mais si longtemps le péché est en toi, crois-moi que tu ne vis pas. Et quand on prêche la vérité, tout le monde s'acharne contre toi. Les gens s'élèvent. Et dans nos églises, on voit tout le monde est rebelle. On veut plus que personne veut qu'on les conduise. Après, il dit que non, je connais. Bien-aimé, tu es un cadavre ambulant. Tu marches simplement pour marcher. Bien-aimé, tu es comment on appelle les gens là qui marchent comme ça dans les films là? Des zombies. Bien-aimé, dans nos églises, on est rempli de zombies. Il faut faire attention. Comment tuent les zombies dans le film? Hein? Les vampires, on sait qu'il faut les percer là. Hein, dans le film. Ça, c'est le film. Il faut pas. Tu vois un démon, tu viens avec ton truc. Il faut avoir des fois. Les zombies ont fait la croix. C'est n'importe quoi. Alors, bien aimé, dans nos églises, on a des personnes qu'on doit mettre aussi la croix. Nous vivons. Mais nous sommes avec des gens qui ne vivent pas. Mais si Dieu pouvait ouvrir les cœurs de chacun, vous allez voir comment chacun de nous ici pleure des fois la nuit. Derrière ce maquillage, il y a des cadavres. Derrière ce perruque et derrière, bien aimé, ces talons,
derrière ces costumes, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne font que pleurer. Mais vous pensez qu'ils vivent? Non, ce sont des personnes qui existent simplement. Et je vous dis, l'important, ce n'est pas d'exister, mais c'est de vivre. Je parlais à mon Dieu, j'ai dit: Dieu, je vais vivre. Je ne vais pas simplement exister. Je ne veux pas qu'on marque que non, il a existé dans ce monde. Non. Je veux qu'on marque qu'il a vécu. De même, je vais vivre. Et là, quand Dieu nous créa, il nous avait créé pour le but qu'on vive et non pas pour. S'il a mis son souffle en nous, parce qu'il voulait qu'on ait la vie. Lis-moi encore le livre de 1 Jean 5, le verset 12. Vous allez entendre quelque chose. À quoi ça sert d'exister si on ne vit pas? À quoi ça sert de faire partie d'une famille si cette famille ne vit pas? Que la guerre, que les méchancetés, que l'autre ne veut pas, l'autre, on va prouver l'autre. Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Si on est une communauté africaine, mais qui se haïssent et qui se trahissent, à quoi ça sert de faire partie de ces communautés? À quoi ça sert d'aller rester avec certaines personnes et qui derrière toi vont te détruire? Ça existe pour ne pas vivre. Je veux là où il y a la vie et non là où simplement les gens existent, une organisation existe. Je veux là où il y a la vie. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. 1 Jean 5, verset 12. Qui est le Fils à la vie? Ah, vos français là, bête là, j'aime pas. C'est lui qui a le Fils. J'aime bien le fond de la tradition là. Ouais, qui a le Fils? C'est comme si tu commences par une question. Je vais dire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Celui qui a le Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. À la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, vous acclamez la parole. Bien-aimé, ferme ta Bible, regarde-moi. Ça ne sert à rien d'avoir un enfant dans la maison qui ne t'écoute pas. Il existe dans ma maison, mais cet enfant ne vit pas pour moi. C'est ainsi que tu verras un papa qui ne calcule pas cet enfant, son enfant dans la maison, car cet enfant est impoli. C'est pas ça. Mais c'est que cet enfant, pour le papa, il ne vit pas. Mais il existe sur la liste des enfants. Mais or, l'important, ce n'est pas d'exister, c'est de vivre. Il faut que papa et toi, tu sens qu'avec papa, il y a la vie. C'est ce que je parle à tous nos enfants, même mes enfants spirituels dans l'église, bien-aimés. Arrêtez de faire comme tu veux. C'est la rébellion totale. Il faut écouter les pères pour que tu vives. Bien-aimés, si le pasteur ne s'intéresse pas à toi dans une église, sache-le que non, tu sentiras comme si que non, ça ne marche pas bien. Même si tu pries, c'est pas bien, ça t'empêche de vivre. C'est qu'un père attend, j'ai parlé avec mon fils hier, non? J'ai parlé avec toi. J'ai dit, fils, écoutez, c'est qu'un papa attend de ses enfants. Un bon papa, je ne parle pas de papa mandia qui pide là, qui veut beaucoup d'argent, envoie les enfants de faire la prostitution pour gagner l'argent ou la maman. Je parle d'un papa qui aime l'avenir de ses enfants. Papa n'attend pas l'argent de son enfant, tant l'obéissance de son enfant. Tant que l'enfant simplement l'honore, un point très. L'honneur que tu donnes à papa, c'est ce qui libère la bénédiction pour l'enfant. C'est ainsi que la Bible dit que non, c'est un des commandements qui est lié avec une promesse de la longévité. La Bible dit, honore ton père et qui est ta mère. C'est ça qui est lié, c'est alors que tu vivras longtemps. Il y a seulement deux choses qui nous permettent de vivre longtemps. C'est le fait d'honorer nos parents et deuxièmement, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas ta dîme, ce n'est pas ton offrande. Ce n'est pas le fait de faire partie à une équipe à l'église qui te fait durer longtemps. C'est faux. Sinon, je déchire ma Bible si tu m'apportes un autre verset. Bien-aimé, n'existe pas pour exister dans une communauté. Existe pour vivre et donner aussi la vie aux autres. Et la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas quoi? La vie. Mais c'est une personne qui n'a pas Christ, ce n'est pas des gens qui vivent. Ce sont des cadavres. Mais bien aimé, toi tu diras que j'ai le Fils parce que je l'ai reçu. Non, avoir le Christ, c'est laisser Christ marcher. C'est alors que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Mais comment pour toi? Écoute ton langage. Moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. C'est que c'est depuis Christ. Tu viens à l'église, on dit fais ça. Moi, je ne le fais pas ça. Mais c'est que ce n'est plus Christ, c'est toi. C'est que Christ n'est pas à toi, c'est que tu n'as pas la vie. Je demande, bien-aimé, notre Christ revient. Ce qui n'existe, ne font qu'exister et qui ne vivent pas, ils vont parler au ciel. Le dimanche, vous étiez dans l'ambiance de cette prêche, que je vous ai donnée. Mais aujourd'hui, je reviens. Il y a des moments où je vous prêche la conviction de la foi. Il y a des moments où je vous redresse. Parce que vous savez, quand on parle de la foi, du bonheur, à un moment, on peut perdre la logique de la vie. Une personne qui est dans une fête oublie qu'il y a aussi la mort, il y a aussi l'enlèvement. C'est ce que la Bible dit, vaut mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison d'oubli. On est des fois emporté. Vous savez, beaucoup de bêtises se sont passées dans les endroits de fête que dans les endroits de deuil. Vous qui allez dans les boîtes de nuit, bon, si on demande si personne va accepter, dans les boîtes de nuit, vous savez combien de bêtises se font parce que c'est lié de quoi? De fête, d'ambiance. L'important, ce n'est pas d'exister, mais c'est de vivre. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu vis? Quand tu parles à quelqu'un, il faut avoir l'habitude de le regarder droit dans les yeux. Il ne faut pas éviter de regarder quelqu'un dans les yeux. C'est comme un voleur ou un escroc. Qui peut me dire qu'il sent qu'il vit? Il sent qu'il vit et il sait qu'il vit. Waouh, ça devient inquiétant là. Comme j'ai beaucoup déjà parlé de choses, toi-même tu vois, là, je trouve que je ne vis pas. Là, je trouve que j'existe simplement. Là, ça me coince de dire que je vis. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et qu'on l'ait quoi? En abondance. Christ est venu pour que tout le monde ait la vie. C'est les dons gratuits que Dieu nous donne en plus. On n'achète pas, bien-aimé. Je suis heureux quand je parle de cette partie. C'est ainsi que on a dit ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout. Quand Dieu est bon, il manifeste sa bonté à toi, bien-aimé, quel que soit tout ce que tu vois tout autour de toi, crois-moi, ça vaut mieux que tout ce que tu peux vivre. Cherche ça. Tu sais, dans ce monde, les gens ne te laisseront pas vivre. Les gens ne te laisseront pas vivre. Les Européens empêchent les Africains de mieux vivre, n'est-ce pas? L'Afrique existe sans vivre, mais ici, les gens vivent. Au point qu'ils ont dit un langage français, les malheurs des autres, les uns, hein, c'est le bonheur des autres, aussi, c'est vice-versa. Et ils ont mis ça en français pour dire que quand vous êtes en malheur, c'est le bonheur des autres, ça fait du bien pour eux. Donc, le monde empêche les autres de vivre. Mais quand tu vis aussi en Europe, et même, les riches empêchent les pauvres de vivre. Ils exploitent plus encore les pauvres. Des petites entreprises souffrent. Mais au lieu qu'on favorise des petites entreprises en France, mais au contraire, ceux qui sont beaucoup plus favorisés, ceux qui ont des grandes entreprises. Est-ce que vous comprenez ce système-là? Prenons comme moi, votre pasteur, j'ai une entreprise. Mais comment, moi j'ai une petite entreprise, on me fait taxer des choses au point que tu peux fuir. Mais Bettencourt, on le met plus à l'aise pendant que c'est à elle qu'on devait demander beaucoup d'argent parce qu'elle a une grosse entreprise. Les riches continuent toujours à empêcher les pauvres quoi, de vivre. Et ceux qui ont réussi dans la vie empêchent les autres aussi de vivre.
Ils veulent que ça soit que eux et que vous venez toujours les quémander. Vous comprenez quémander, non? Mendier chez eux. Et quand ils te voient réussir, ça commence à les déranger. Parce que dans ce monde, personne ne voudra que tu vives. C'est alors que, bien aimé, Christ a dit, malheur à l'homme qui se confie à qui? À l'homme. Heureux l'homme qui se confie à Dieu. Confie-toi à lui pour que tu vives. Chaque jour, il y a des situations, il y a des problèmes que nous voyons. Chaque jour, il y a des réalités, il y a des lois qui se votent, bien aimé, qui nous empêchent de jouir de notre vie. Chaque jour, tu entends des rapports de gauche et de droite qui t'arrivent dans tes oreilles, bien aimé, pour t'empêcher simplement de vivre. Et quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes la situation, quand tu regardes ton environnement, chaque jour, bien aimé, il y a des médisances de gauche à droite qui nous empêchent. Et quand on écoute cela, de vivre, mais ça détruit nos cœurs. C'est ainsi que la Bible nous interdit de prêter attention à toute chose qui se dit pour permettre simplement à ta vie de profiter de la jouissance de ça. Vous savez, il y a des personnes, si le culte finit sans dormir un peu, ça ne passe pas bien pour ces gens. Alors il faut commencer, je demande à tout le monde, chaque culte identifie des personnes comme ça. Tu écris 1, tu écris 2, et dans les mois, tu fais les bilans. Tu te poses la question, pourquoi ces gens font ça? Et après, on va faire la proclamation de la pétition. Je suis venu à l'église, je suis venu, c'est pas pour exister, mais pas pour vivre, à la lumière. Mais il fait quoi? Signaler quoi? Que j'étais là. Après, quand tu sors, hey, on a chanté ta bienveillance. C'était ça l'objectif. En tout cas, il y a l'onction. Hein. Le pasteur l'a peut regarder à tes yeux comme ça. Pas. Mais démon qui? C'est ça que toi tu as reçu? Tu existes sans vivre. Nous voulons la parole pour vivre. Quelqu'un attend aujourd'hui. Amen. Même si ces derniers temps, je réprime mes histoires de délivrance comme avant, plus encore, je reçois de gauche à droite des gens qui viennent partout. Parce que Dieu m'a dit, fais profiter la grâce qui est en toi. Pourquoi tu l'empêches? Alors tu dois le faire. Yahweh. Comment il commence, comment il finit. Il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est alors qu'on appelle Dieu. Bien-aimé, il reste Dieu parce qu'il épate et il dépasse l'entendement de l'homme. Le jour qu'il va être maîtrisé par l'humanité, il n'est plus Dieu. J'aime pas ce Dieu que le pasteur te dit, je sais ce que Dieu va faire à la fin. Mais non, c'est que ce n'est pas un Dieu. Bien-aimé, il faut poser la question. C'est qu'il a un autre Dieu qu'il a fabriqué. Le véritable Dieu, bien-aimé, on ne sait pas à quel moment il va agir, à quel moment il ne va pas agir. Bien-aimé, il nous surprend. C'est alors qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Bien-aimé, quand tu commences à comprendre le miracle, ce n'est plus un miracle.
Je te dis, ce n'est plus un miracle. C'est que c'est ton pharmacien qui t'a donné les médicaments ou peut-être que c'est qui? C'est ton infirmier ou ton médecin traitant. Parce que notre Dieu, bien-aimé, il fait des choses qu'on ne peut imaginer. Il a... Naman arrive, Naman pensait que non, je sais qu'on impose la main, je sais qu'on fasse ceci. Mais lorsqu'il arrive, je sais, je vais rencontrer ce type. En plus, je suis un général. Dis avec moi, il est un général. Alors toi, maintenant, dis, je suis diplômé. Aïe, aïe, aïe. Mais quand c'est moi, dis-moi, dis, je suis la grande soeur du pasteur. Quand je sais que je suis la grande soeur du pasteur, quand j'arriverai, il va me traiter autrement. Non, mais dis, je suis le neveu du pasteur. Dis, bien aimé, dis, je suis plus âgé que les pasteurs. En âge, bien aimé, dis, moi, je suis maman Christine. J'ai tout ça à moi. Moi, il faut que le pasteur me traite autrement. Non, bien aimé, on ne maîtrise pas un Dieu. Alléluia. Naman arrive, Dieu, on lui dit à Naman, va plonger cette fois-ci. Vous me demandez de plonger. Ce n'est pas comme ça que moi je pouvais faire. Bien-aimé, laisse-toi. Dieu étonne toujours. Quelqu'un attend aujourd'hui. J'ai dit que Dieu va nous étonner. C'est alors que, bien-aimé, l'important, ce n'est pas d'exister, mais aussi de vivre pour vivre ce que Dieu fait. Quelqu'un me donne la main. L'important, c'est ça. L'important, c'est ça. Laisse-toi emporter. On avait phénomène comme ça, n'est-ce pas? On se laisse emporter par le vent de l'esprit. Que la parole nous amène. Ne résiste pas. Moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Non, bien-aimé, laisse qu'on t'apporte. Le général a voulu dire que j'aime pas. Moi, tu penses que chez nous, il n'y a pas la scène là-bas. Tu penses pas chez nous, il n'y a pas la Tchémé. Tu penses pas chez nous, il n'y a pas Madoukou. Il n'y a pas les rivières de Pakistan. Il n'y a pas telle rivière. Non, il m'a dit de plonger. Moi, je croyais quand je viendrai, il va sortir. Oui, général, tu es venu. Mais non, Dieu n'agit pas à la manière que tu attends. Laisse Dieu faire comme il veut de nous. Amen. Si tu veux vivre, tu veux recevoir la vie de Jésus. Bien-aimé, laisse-toi amener pour que tu vives. Sinon, tu vas exister sans vivre. Ça ne servira à rien. Ça sert à quoi? Au point que dans ta famille, on ne te considère pas parce que tu existes sans vivre. Tu ne réussis à rien. Qui peut te regarder dans la famille? Lorsqu'il y a des problèmes de la famille, on donne le rapport aux autres, mais pas à toi. Mais tu es le grand frère de la famille. Et quand tu viens réclamer, pourquoi vous avez dit à tout le monde, on dit, qu'est-ce que toi tu vas faire? Bien aimé, parce que tu ne vis pas. Tu n'as rien. Personne ne te considère. Pourquoi? Bien aimé, nous avons un Christ Jésus capable, bien aimé, de prendre quelqu'un dans le rien, l'amener dans la hauteur. Bien aimé, il faut vivre, il faut qu'il te fasse vivre. Tout celui qui vit, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Dieu est façonna l'homme. Il souffla dans ses narines et l'homme devint un être qui vivant. Il faut que Dieu t'amène, bien aimé. Il ne t'a simplement pas créé. Bien aimé, tu es né, tu es créé ici. Oui. Tu marches, il a soufflé. Mais qu'il finisse. La création pour toi, que tu deviennes un être qui vivant. Je voudrais qu'aujourd'hui, bien aimé, tu dis à Dieu, oui, tu m'as créé. Oui, Dieu, tu m'as donné le souffle. Mais tu n'as pas encore fini. Tu as dit, lorsque tu créas l'homme, tu as soufflé et tu as fait qu'il devienne un être qui vivant. Je veux que mon couple devienne un couple qui vit. Je veux que mes enfants deviennent des enfants qui vivent. Je veux que ma famille devienne une famille quoi qui vit. Je veux que mon église devienne une église quoi qui vit. Je veux que mes projets deviennent des projets quoi qui vivent. Mais non, bien aimé, on ne doit pas toujours contacter. L'existence avec la douleur, l'existence avec des plaies, l'existence avec des cauchemars de la vie, l'existence, bien aimé, avec des lamentations, des murmures, des inquiétudes. Bien aimé, comment ça sert? À quoi ça sert? Il faut dire à ton Dieu, si tu m'avais envoyé pour ça, ça sert à quoi, Dieu? Bien aimé, il est ton Père. Celui que je vous prêche n'est pas simplement un Dieu. Il est Dieu pour les autres, mais pour toi, il est Papa. Il ne faut pas regarder Dieu simplement de la dimension de Dieu. Vois-lui la dimension de ton père. Tu sais, un roi, bien aimé, même si tout le monde tremble, mais son fils peut venir, papa, papa, pendant que vous vous tremblez. Le fils sait qu'il est roi, mais il sait aussi qu'il est son père. Je vous présente quelqu'un qui est votre papa. En réalité, je n'allais pas vous le présenter parce que tu dois connaître ton père. C'est parce que tu es ignorant. Ce n'est pas ta faute. Peut-être ta mère t'a affronté avec quelqu'un dans le noir. Sans savoir que c'était lui, le papa.
Mais laisse-moi t'éclairer, te dire que non, lui c'est ton père. Alléluia. Dieu c'est ton père. Dis à ton voisin, c'est mon père. Bien aimé, privatise ça, dis c'est mon père. S'il pensait, même si tu dis notre père, non, ce n'est pas notre père, c'est mon père. Ah, quelqu'un me dira, non, parce que tu es jeune. Écoutez, j'aime David, il a dit l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit notre berger, il a dit mon berger. Mais à un moment, il faut privatiser Dieu pour toi. Il a dit mon berger, il est ton père, bien-aimé. Ah, il doit te permettre à vivre. Car avec moi, je vais vivre au nom de Jésus. Que mes projets vivent au nom de Jésus. Il avait déclaré une conviction. Que ma famille vive au nom de Jésus. Que mon église vive au nom de Jésus. Que mes enfants vivent au nom de Jésus. Bien-aimé. On ne doit pas simplement faire des enfants qui demain, les enfants vont toujours venir demander à manger chez toi. Il faut que les enfants la vivent. Et qu'on voit les enfants, tout le monde dit, hé, les parents de ces enfants, oh. Il faut que les gens bien-aimés avalent la salive quand ils voient tes enfants. Si mes fils étaient comme ça. Bien-aimé, tu as fait des enfants qui ne dorment pas la nuit. Tout le temps t'appelle, oui, ton enfant, madame, elle est à garder vie. Ton enfant est ici. C'est toi la maman de l'enfant tel. Écoute ta vie. Bon, madame, il faut vous présenter demain. Ah! Je travaille demain, madame, ça ne nous concerne pas, vous vous présentez demain. Écoutez cette vie. Ça passe 3 jours, madame, ton enfant vient de crever les yeux de quelqu'un ici. Quelqu'un t'attend aussi les cadets. Madame, vous avez un enfant ici qui vient de voler dans les magasins. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? On pensait, les Africains pensaient faire beaucoup d'enfants, c'est la richesse après. Mais les mettre paix pour provoquer la douleur après. Si tu n'avais que un, on allait t'appeler pour un. Mais toi, tu es là, c'est. Quand tu appelles pour un, attendez le deuxième. Mais ça sert à rien de retourner au lit. Tu attends au téléphone. Alors, on dit au suivant. Mais il y a des gens qui vivent au suivant comme ça. Là, on dit, madame, pourquoi tu. Qui t'appelle, on dit, ah, ah, parce que. Comme tous les enfants ne sont pas ratés, peut-être que l'autre aussi, hein, on va m'appeler. Oh, mais écoutez, quelque temps, de madame, on veut attraper ton enfant, te vendre de la drogue. Ah, je savais, j'attendais l'appel. C'est tout. Mais il faut le dire, tu attendais l'appel. Tu vis comme ça. À quoi ça sert d'avoir les enfants qui ne vivent pas, bien-aimé? Ce sont des enfants qui existent simplement pour nous remplir la douleur. Et ces enfants sont venus voler même notre vie. Le bonheur, bien-aimé, ce n'est pas d'exister. Le bonheur, c'est de vivre. Quelqu'un entend. Quand il créa l'homme, il ne bougeait pas. Quand quelqu'un ne vit pas, existe simplement, rien ne bouge dans sa vie. Rien n'évolue. La Bible dit, il créa l'homme. Il était là, il est façonné par la poussière de la terre. Mais il ne bougeait pas. C'est ce que, bien-aimé, constate dans ta vie, beaucoup de choses ne bougent pas. Combien d'années tu as fait en Europe? Regarde ton couple, bien-aimé. Toujours vous répétez les mêmes discussions. Vous n'évoluez pas. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Chaque jour, si cette semaine finit, vous êtes à la fin de la semaine, vous attendez un peu de bisous. Pardonne-moi, chérie. Les lundis, ça repart. Tu vois, tu as recommencé. Rappelle-toi, toi aussi, l'autre jour, là, vous vous rappelez toujours le passé. Tu sais, l'autre jour là, j'étais assis sur le canapé, tu es venu, tu m'as fait comme ça. Oh. Après, on arrange. Le samedi, un peu de câlin. Maintenant, vous-même, vous attendez le lundi qui va commencer. On ne vit pas, bien aimé, on existe. C'est un couple qui existe sans vivre. Vous savez que quand un couple, l'homme et la femme ne s'entendent pas, on ne peut pas réaliser bien les projets. Les choses restent stationnaires. Parce que l'autre dit, je ne peux pas le commencer, si je le parle, il va penser. Mais oh, vous ralentissez votre avenir et vous empêchez la vie dans votre couple. C'est ainsi, bien-aimé. Il y a des couples qui existent sans vivre. Vous tournez toujours au rond-point, bien-aimé. Et comme disait le coulis, au bébé à calme. Et la femme te dit, obéyo. Dans cette famille, toujours tout le monde va t'écouter, toi.
Et l'homme se dit, obéyons, toujours pour obéyons. Et les couples de obéyons, obéyons. Quand je dis obéyons, c'est toujours vous, toujours, toujours vous, toujours vous. Toujours vous, toujours vous. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce sont des couples qui ne vivent pas, qui ne font qu'exister. Ça sert à quoi d'avoir un chéri sans vivre? Alléluia. Amen. Des photos sur les murs, bien aimé, quand ton mari n'est pas là, tu dis, il est beau. Quand il rentre, tu as comme un démon. Quel couple? Vous vivez dans les photos, mais pas en live. Vous savez, il y a des couples qui vivent au téléphone. Quand l'autre est parti dehors, au téléphone de bonne parole, chérie, t'es où? Chérie, tu rentres quand? Mais quand il rentre, vous attendez les cris. Mais comment au téléphone vous êtes gentil? C'est que vivez dans les virtuels, je préfère. Chérie, tu me manques depuis que tu es sorti. Oh, mon bébé, j'arrive. Quand il rentre, simplement, toi, où est la bouffe? T'as pas préparé? Je te giflais. Mais tout ce qui est au téléphone là, ma puce, mon lapin, voilà, je comprends. Il est lapin quand il est arrivé à la maison, il faut qu'il mange le lapin. Tu appelles ton chéri mon lapin, comme l'autre appelle bébé. Bébé, vraiment, un bébé qui arrive, toi tu ne peux pas le porter. Tu appelles ton mari bébé, 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 quand il rentre, il dit, ah ouais, toi, si tu me fatigues, est-ce qu'un bébé peut le dire ça? Mais si même les assassins te trouvent en train de crier à ton bébé comme ça, on va te prendre l'enfant. C'est ainsi que vos maris sont pris par d'autres femmes parce que vous criez sur les bébés. Et les autres femmes, là, sont des assistantes, quoi? Sociales. Une assistance à personne à danger, bébé à danger. Alors considérez vos bébés comme des bébés. Alléluia. Amen. Quand tu appelles ton mari bébé, prends-lui aussi comme qui? On ne crie pas sur bébé. Ah, cela, tu dis quoi? Les bébés, quel est gentil? Tu tapes ton bébé. Tu vas regretter. Même la police, tu vas regretter. Toi, attendez, il ne faut pas continuer. Oh, il a sa sociale, il va assister. Il faut faire attention. Tu appelles ta femme ma puce, ma puce, ma puce, ma puce. Mais quand tu rentres à la maison, tu n'as pas le portable. Mais ça sert à quoi? C'est ce que tu ne peux pas le mettre à toi, dans ton cœur. Elle a une puce, mais on arrive, prends la puce, mets des gars dans ton cœur. Tu laisses la puce, tu vas perdre la puce. Quelqu'un d'autre va ramasser ça. Si toi, Gare du Nord, ça tombe. Tu ne peux pas trouver ça. À Gare du Nord, tu ne trouves plus ça. La prochaine fois, tu appelles, quelqu'un d'autre te répond, dit, hey, c'est ma puce. Ne rappelle plus. Que le Seigneur nous bénisse. L'important, ce n'est pas quoi? Mais de faire quoi? Non, je ne vous ai pas entendu. L'important, ce n'est pas quoi? Mais de quoi? Mais l'important, ce n'est pas quoi? Mais c'est de quoi? Dès pour calmer la vie dans tout ce qui est dans ton environnement, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta vie, comment se lever? Ferme les yeux, comment se lever? Prie avec eux, avec conviction, avec assurance. Ce n'est pas la voix.
Devenir des êtres vivants dans les portes